Bismillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Le petit poucet. Le petit poucet. Une famille dans la misère décide d'abandonner ses 7 enfants dans la forêt. Une famille dans la misère décide d'abandonner ses 7 enfants dans la forêt. Mais le 7e garçon, nommé le petit poucet, entend la conversation. Mais le 7e garçon, nommé le petit poucet, entend la conversation et prend des petits cailloux blancs pour pouvoir retrouver son chemin. Et prend des petits cailloux blancs pour pouvoir retrouver son chemin. Une fois abandonné, ses frères et lui rentre chez eux grâce à sa ruse. Une fois abandonné, ses frères et lui rentrent chez eux grâce à sa ruse. Mais les parents les abandonnent encore une fois. Mais les parents les abandonnent encore une fois. En cherchant leur chemin, ils arrivent chez un ogre. En cherchant leur chemin, elles arrivent chez un ogre. Et demande à sa femme de les cacher pour ne pas se faire tuer. Et demande à sa femme de les cacher pour ne pas se faire tuer. Le petit poucet échange les couronnes des petits et des 7 filles de l'ogre avec les 7 bonnets que les garçons possèdent. L'ogre vient trancher la gorge de ses filles en pensant que c'était les 7 frères. L'ogre vient trancher la gorge de ses filles en pensant que c'était les 7 frères. Grâce à la ruse, le petit poucet vole toutes les richesses de l'ogre. Grâce à la ruse, le petit poucet vole toutes les richesses de l'ogre et rentre alors chez lui avec ses frères et beaucoup d'argent. Et rentre alors chez lui avec ses frères et beaucoup d'argent.